Ah ben, la raison principale pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est qu'on ne voudrait pas que le service public en général disparaisse, et plus particulièrement celui de l'électricité, parce qu'on est persuadé que demain, en passant EDF en société anonyme, on va donner priorité à l'argent et pas à la notion de service public telle que nous on la défend. Mais le risque pour EDF, c'est de se retrouver dans un système où on donnera priorité à l'argent et derrière, on a des moyens de production que sont les centrales nucléaires sur lesquels on ne mettra pas les investissements nécessaires et on va arriver à une gestion catastrophique de l'entreprise où la priorité, ça sera de faire des gains de productivité et surtout pas de donner les moyens à l'entreprise de faire de la maintenance correcte et d'avoir des moyens de production efficaces. Ça signifie hausse des prix, ça signifie baisse des investissements, tout ce qui n'est pas rentable mais qui permet aujourd'hui d'avoir un réseau de qualité, bah tout ça c'est fini quoi. Ça va être gain, gain, gain et gain. Et donc c'est les premiers à en pâtir, ce seront les usagers quoi. Aujourd'hui on défend le service public. Pour tous les usagers, ça produit.